73 à tous. Alors voilà, nouvelle installation pour l'antenne pour que ce soit plus rapide, plus facile à mettre en place sans pour autant prendre la remorque, qui est surtout utile pour le sound marine par exemple, des trucs comme ça. Donc là, voilà, j'ai monté l'antenne sur un porte-vélo non modifié qui va directement sur l'attelage. Voilà, donc aucune modification dessus. Comme ça, je peux quand même l'utiliser pour emmener nos vélos. Et là, je suis à environ 6 mètres de haut. Voilà, et le câble passe directement dans la voiture. Bon, il y a un petit peu de propag, mais là, c'est pas le top. Hier, c'était génial. Il y avait les départements français et tout ça. Il faut dire aussi que là, je ne sais pas quelle heure il est, quoique ça n'a rien à voir. Alors certains se disent, mais pourquoi il y en a qui se font chier comme ça à faire des installations là, de ce genre, comme ça, là, en voiture. Eh bien, tout simplement pour déjà pour sortir de chez soi. Ici, on respire le bon air, on est à la campagne, sur une colline, et puis ça permet de pouvoir entendre autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre chez soi, quoi. Là il y a le côté jeu, quoi. Voilà, il y a le côté jeu qui est là. Alors voyez un petit peu ce que ça donne. Ah oui, voilà, que je vous montre un petit peu l'installation. La caméra 2, s'il parbise. La caméra 1, qui vient là, sur le pied. Ça va me permettre, dans le même temps, de pouvoir tester ce micro-là sur le Lincoln. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le secteur de Saint-Émilion-Castillon-la-Bataille, sur le sud-ouest de France. Voilà, c'est pas gagné. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, et qui me propose un QSY sur le 27 545. 27 545, c'est parti pour moi. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France. Azut.
CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, et qui propose un QSY sur le 27-535. Le 27-535, c'est parti pour moi. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, secteur Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, secteur Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion. Alors, vous avez vu ce qui est bien, c'est que là, comme sur mon précédent poste, on a un visuel du TOS en permanence. Bon, il a fallu que je l'enclenche, hein, évidemment. Et le saloperie de QRM qui traîne aujourd'hui. Pourtant, j'ai rien autour de moi. C'est dans l'air. Ou alors, c'est peut-être une station locale qui moustache. Ouais, ça ressemblerait plus à ça.
Alors là, je suis comme, comme pour le déplacement des canaux. Voilà, donc au niveau de la virgule, vous voyez où elle est. Je compte. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai atterri ici. Donc là, quand, quand on a les yeux sur la route, bah, il suffit de compter 4 points, tac, et on sait que la virgule sera au bon endroit pour déplacer le chiffre. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-est de France, et qui vous propose un QSY sur le 27545, le 27545, c'est parti pour moi. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-est de France, secteur Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion. Là, tous les filtres sont enlevés. Je confirme, ça casse bien les oreilles. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, qui vous propose un QSY sur le 27535, le 7, le 27535, 2735, c'est parti pour moi. Ah. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile, ce sud-ouest de France, du côté de Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion. Ah, no Roger, I speak French. Sorry, 73-51 à vous. Merci beaucoup, thank you. Depuis le temps que je le dis, qu'il va falloir que je me mette aux langues étrangères.
Many thank you, my friend. I give you for, first of all, Europe 1. I have you 57, and on the calling frequency, I have you 59. And what a little case speaker for you. Your deal is super, super fine also, sir. I'll operate a name for you. Mike, I spell Mike, India, Kilo, Echo. Mike is the operator, okay? CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en Mobis, Sud-Ouest France, qui vous propose un QSY sur le 27-505, 27-505, c'est parti pour moi. CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile, ce Sud-Est France, QTH, Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion. CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le Sud-Ouest France. Eh oui, quand on pousse trop fort un micro, hein. Voilà ce que ça donne. Ça pourrit toute la bande. CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le Sud-Est France, qui me propose un QSY sur le 27-505, 27-505, c'est parti pour moi. CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le Sud-Ouest France, QTH, Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion. Oui, le département 16, la Charente, les bains de 73-51, vous, de la part de 14 Kilomike 3301, opérateur Rémi, en mobile à côté de Castillon-la-Bataille, sur une colline, sur Saint-Magne de Castillon. Là, vous arrivez très très QRP de mon côté, mais j'ai pu vous sortir quand même. Il y a un QSO là qui vient de s'installer là derrière, là j'imagine du côté d'Espagne vu comment ça parle. Là j'ai eu QSL là, que de la fin. Donc là je vous répète mon indicatif.
14 Kilo Mike 3301, opérateur Rémi, QRZ local sur la Gironde, Dandy 33. Voilà. Zéro, c'est bon. Ok, 100% QSL. Là, ce coup-ci, là, c'est bien passé de mon côté. En plus de ça, j'ai une station là qui a à peu près 5 km là de mon point, là qui me moustache toute la bande. Ah, chie trois coups, c'est pas grave. On va dire que ça fait plaisir, ça fait partie des plaisirs de la radio. Alors, les conditions de trafic là de mon côté, là je suis avec un tout nouveau poste, un président Lincoln 2+. Voilà, et du côté de l'aérien, je suis actuellement sur une président Himalaya, perché à 6 mètres de haut au-dessus du push. Voilà, j'ai fait une petite installation sur un porte-vélo et les tubes emboîtés les uns dans les autres, le tout accroché sur le porte-vélo derrière le push. Oui, QSL, il n'y a pas de problème. Je vais le regarder en même temps avec quel report, enfin quel signal vous m'arrivez. Alors, c'est une radio de 3-4, quand tout va bien. Ouais, radio 4, oui, ça passe quand même. La radio est quand même claire, pas très forte. J'ai qu'à monter le volume, hachi. Et pour le signal, je dirais un signal de 1 quand je ne suis pas moustaché. Voilà, et entre le poste et l'antenne, ce que j'appelle à chaque fois la petite boîte de mirror, histoire de bien lustrer l'antenne pour que ça passe un peu plus fort. Hachis trois coups. Non, je ne suis pas du tout en vacances. J'habite juste à côté, sur Saint-Émilion. N'importe quoi, qu'est-ce que je dis? Je raconte des conneries. J'habite juste à côté, sur Sainte-Colombe. Voilà, j'ai Sainte-Colombe qui est à quoi? Qui est à 1 ou 2 km derrière moi. Et disons que j'avais envie de tester là un petit peu mon nouveau poste, plus mon nouveau système de mise en place de l'antenne pour expédition là, sur l'arrière du push. Et je vois que bon, ça fonctionne bien. C'est dommage que ça ne soit pas comme hier où quand il y a eu là, plusieurs départements français là, qui sont passés là, de mon côté, quoi. Ouais, c'est vrai que là, je me suis un petit peu mélangé les crayons. Alors, très exactement, j'habite sur Sainte-Colombe. Voilà, c'est-à-dire à 1 ou 2 km derrière moi. Voilà, je suis actuellement en push arrêté à côté du QRA sur une colline. Très précisément, la colline de Saint-Magne-de-Castillon. Donc, si vous avez une carte devant les yeux, vous tirez un trait entre Sainte-Colombe et Saint-Magne-de-Castillon. Je suis pile entre les deux et au sommet d'une colline. Ah. Oui, 100% QSL, la ville de Chalais, à côté d'Angoulême.
Il n'y a pas de problème. Mais ah oui, puis en plus de ça, là, la propague n'est pas du tout là de ce côté-là. Elle est même retombée, on dirait, là, puisque là, j'entends plus les Espagnols derrière. Et donc là, on est dans une liaison directe, on va dire ça comme ça. Donc là, ça passe bien. Ouais, je suis quand même assez satisfait là de mon installation. D'autant plus que là, j'ai pu vraiment mettre en place l'antenne à l'arrière de la voiture dans des conditions un petit peu défavorables. Pas par le grand soleil qu'il y a, mais par le vent. J'ai un vent là continuel ici qui facilite pas les choses, et ça m'a permis de voir que mon petit montage sur l'arrière de la voiture peut se faire malgré le vent tout seul quand même. Et oui, là je suis assez content quand même. Alors de là où je suis, là je domine là toute la vallée là Castillon-la-Bataille, Saint-Pédarment, Saint-Magne-de-Castillon. Et sur des distances assez éloignées, j'ai pas de carte là sous les yeux là pour vous décrire un petit peu là toute la zone là que je domine. Mais là ici là je suis relativement bien placé. C'est un de mes repères habituels, Hachy, où ça faisait longtemps que j'étais pas venu justement là pour faire de la radio. 73 Yannick. Ok, merci, il n'y a pas de problème. Là, ça fait plaisir de voir comment ça passe bien. Il y a un OM qui vient d'arriver sur le QSO. C'est l'opérateur Yannick. Avec les bonnes 73, Yannick, retour de micro sur toi. Ok Yannick, et à ce point-là, pourtant je suis assez loin, là je suis à 50 km de Bordeaux. Oui, alors toi Yannick, alors je suis avec la station là, qui est à côté d'Angoulême, sur la petite ville de Chalais. Donc là, et puis comme la propague en plus là est retombée, je suis en plus de ça moustaché là, par un OM qui est à 5 km de chez moi, mais bon, tu vois, ça passe quand même, malgré tout. Et là, je suis en train de tester là, mon tout nouveau poste, c'est-à-dire un président Lincoln 2+. J'ai un petit souci avec le précédent, là, le CRT 7009. Au niveau de la réception en USB sur le 7009, il est parti en cacahuète. Apparemment, en émission, ça n'a pas l'air d'être triste non plus. Pour t'en dire un peu plus, je me retrouve avec une réception complètement aiguë. Dessus, plus additionné à ça un décalage en fréquence soudain et impossible à clarifier ceci, cela. Bon, j'ai l'YL qui a fait son petit calcul qui m'a dit comme ça, eh bien autant repartir vu le prix de l'envoi plus le coût de la réparation, ceci, cela, ainsi de suite, ben autant partir sur un poste neuf et pourquoi pas quelque chose de nouveau. Alors je te rassure que je lui ai pas dit non, j'ai sauté sur l'occasion. Et pour le coup, on est allé voir SAV Radio 33, paf, on a passé commande pour ce poste-là. Et puis voilà, là je suis vraiment en train de le tester là à la minute même. Hein. Voilà, là je suis quand même assez content là du résultat. Pour le petit décalage, c'est vraiment insignifiant. Et puis de toute façon, bon. On a tous un clarifieur sur le poste, un petit millimètre à bouger dessus, puis ça y est, c'est réglé. Hachi, retour Yannick. Bon, ok, Rémi, 30% QSL. Oui, non, mais c'est léger, hein, tu vois, je suis sur... Oui, je repasse le micro après sur toi. Bon, suite à votre visu, mais bon, sur 505, je t'ai reconnu aussi, hein, il n'y a pas de souci, quoi.
j'ai voulu quand même clarifier pour avoir ta voix la plus nette possible. Et pour ça, niveau repos, ouais, tu m'arrives à 56 avec quelques points à 57. Voilà. Donc c'est vraiment bien au-dessus du squat. C'est tout à fait confortable. Et puis oui, je suis avec quoi tu pratiques, je suis abonné à ta chaîne, donc tu vois, je regarde tes vidéos, donc j'ai vu que tu avais un nouveau joujou. Je ne savais pas qu'il était sorti, mais en tout cas, ça va être un beau poste. Voilà. Et ça fonctionne bien, hein. Malgré la distance, tu m'as dit 50 km. Moi, tu sais où je me trouve, hein. Niveau sortie 7 de la rocade à Bordeaux. Toi, tu me dis que tu es à 50 km, bah, écoute ça, 56, 57 avec une bonne radio. Voilà, retour, Rémi. Ok, ben justement, en même temps, là, j'ai branché un micro préampli. Oui, la station du côté d'Angoulême. Je retourne le micro après sans toi, Hachi. En même temps, je suis en train de tester là, un micro préampli là-dessus que m'a vendu justement la Christophe. C'était l'un de ses micros perso là qu'il avait, un Eurocibi. Et voilà, qui marche avec une pile de 6 volts. C'est un vieux micro qui ressemble au micro du studio chromé avec les ailettes sur les côtés, si je puis dire ainsi. Sauf que celui-ci, il est tout gris. Voilà. Ouais, bon, là, je suis assez content du résultat. Pour le réglage, ça a l'air d'être bon. Là, je suis à 6. Ok. Cette nuit, j'étais au pro. J'étais sur pas loin de Bordeaux. Alors, j'ai pu mettre les oreillettes, enfin les écouteurs dans les oreilles, branchés sur le téléphone sur le web SDR, et j'ai pu faire mon petit test comme ça. Oui, à la station de... Je vais retourner les micros sur la station d'Angoulême pour voir s'il est toujours là, pour voir s'il est en... Ok, la station d'Angoulême, merci pour ce petit QSO. C'est vrai que là c'est le dernier passage, ça a été très calme, ça s'est calmé d'un coup. Là tout à l'heure, c'est vrai que c'est arrivé, ça nous a bien bombardé. Je vois que vous aussi de votre côté, ça a été pareil. Ok, merci pour ce petit QSO qui m'a permis en même temps de tester là, ma nouvelle installation. Double nouvelle installation, on va dire, que ce soit là pour le nouveau poste comme... Là, mon petit test de mise en place là, de l'antenne à 6 mètres de haut accrochée au cul du push. Donc là, je suis très content là, quand même du résultat. Merci à vous, bonne 73 à vous, bon QSO. À la prochaine sur les ondes. Retour Yannick. Non, ok, Rémi, écoute, là, je ne reçois que 3. J'ai baissé le squat, là, mais tu passes toujours à 56-57. J'ai pas enfoncé une autre station, donc apparemment je vois que tu es bien situé, hein, et que tu te fais plaisir avec ton nouveau matériel. Ok, bah écoute, profite-en, hein, c'est un petit contexte, hein, ma fille. Et c'est gâté partout, et pour info, il n'y a pas de propagande, je suis sur le désert, là, il y a aucune crème, donc ça veut dire que tu as une installation qui fonctionne bien, un poste très, très réceptif, très sensible, bah, tant mieux, je suis content pour toi. Voilà, écoute, moi je vais repasser en QAX là, sur d'autres fréquences. Oui, j'ai vu là pour ces systèmes de micro là, ces brochages, hein, que ce soit percuteur ou ailleurs. Je te suis, sache-le, je te suis, je vois toutes tes infos, Rémi, haché. Allez, je te retourne le micro pour la finale. Bon, je suis sur ce 24, et puis tu sais me trouver, je suis toujours en stand-by sur le 5. À toi, Rémi. Ok, ça marche. Eh bien, si ça te dérange pas, je suis actuellement en train de faire une petite vidéo. Bon, je sais que ça pose pas de problème, mais la moindre des choses quand même, c'est de te mettre au courant. Juste à l'instant même, j'ai passé là le micro préampli là devant la caméra. Donc là, tu verras un petit peu l'allure qu'il a. Hachi. Ok, ben merci. Là, je suis vraiment aux anges. Là, je suis vraiment content là de tout ça. Donc t'as vu, t'as dû voir aussi les photos là pour la mise, comment j'ai bidouillé ça pour me passer là de la remorque. Et là c'est vrai que là c'est quand même beaucoup plus rapide, je peux me garer enfin entre guillemets n'importe où, et pouvoir monter ça très facilement, puis aller hop, le tout enclavé, parce que c'est vraiment ça, hein, y a aucun trou, y a rien de fait, le tout enclavé sur le porte-vélo là qui est à l'arrière du push. Ok, ben merci beaucoup pour ce petit QSO. Tu vois, là, tel que je suis parti là, si je m'écoute, je vais pas relâcher le micro avant une demi-heure. Hachi. Merci Yannick pour ce petit contact. J'ai entendu une autre station appeler derrière. Je m'en étrangle avec.
Les bonnes 73, Yannick, à la prochaine. Merci beaucoup là pour ce petit QSO. Ouais, ok Rémi, 100% QSL, hein, toujours 56-57, avec ton nouveau Lincoln 2+, si j'ai bien compris. Ok, ouais, pour les infos, j'ai vu là tes petites bidouilles. Hein. Bah, profite-en, parce que moi, je te dis, hein, je le répète, pas de propane sur eux, les DR, mais donc, si tu es sur un train E, tu vas pouvoir peut-être t'amuser à attraper des stations fixes dans un rayon de 50 à 100 km, puisque tu m'as dit que moi, j'étais à 50. Voilà. Allez, on se retrouve, tu sais, plus de 5, à toujours un écoute sur le plus de 5. Amuse-toi bien avec ton petit joujou, là, profite-en bien, en plus il fait beau. Attention au coup de soleil, à 73 Rémi, je repasse en QSY 25-14-SRS-25-05, Yannick à Izy. Ok, merci. Dernier passage, 55, voilà, de mon côté. Ça passe bien, ouais, mais la propague, hein, elle fait ce qu'elle veut. Hein. C'est un coup, elle fait ce qu'elle veut, elle se balade. De mon côté, allez, tout à l'heure, j'ai entendu l'Allemagne passer. J'ai entendu un peu l'Italie, j'ai entendu l'Espagne. Voilà, c'est... et puis une autre fois, sur le web SDR, j'entendrai du monde, personne de mon côté. Hachi, ok, merci, bye bye. J'ai entendu une station appeler aussi, là, tout à l'heure. Si la station, tu es toujours là, avec les modes 73 en avant. Alors, les bandes 73, 14, Echo Delta, ça y est, j'ai la station étrangère là qui m'arrivait comme un boulet de canon. Je suis désolé pour lui, mais je parle que le français et je comprends que le français. À mon grand désespoir, j'avais qu'à mieux travailler à l'école. Tiens, c'est bien fait pour moi. Hachi, j'ai qu'à m'y mettre aussi maintenant. Allez, encore mieux, je m'en suis mis une deuxième couche. Ok, la station 14, Echo Delta, les bandes 73 à vous, de la part de 14 Kilomec 3301, opérateur Rémi, en mobile arrêté sur la colline de Saint-Magne de Castillon, entre Castillon-la-Bataille et Saint-Émilion. Ok, Claude le vacancier, 73 retourné. Ok, mais mobile, ça va le faire. Alors de mon côté, Hachi, de mon côté, les conditions de trafic sont mon tout nouveau poste, c'est-à-dire un président Lincoln 2+, avec de brancher sur une antenne président Himalaya, perché à environ 6 mètres de haut, accroché derrière le push sur l'accroche remorque. Ok, d'accord, donc oui, là c'est vraiment vraiment condition mobile de ton côté. Avec ta permission, je suis en train de faire une petite vidéo par la même occasion, comme ça tu pourras voir là ce que ça donne dedans. Là. Voilà, avec j'ai pas regardé le signal,
Je regarderai au prochain passage. Mais bon, ça, je ne pense pas que ce soit très épais de mon côté. Mais le principal, c'est d'arriver à s'entendre quand même, ce qui est le cas. Voilà, donc là, tout à l'heure, justement, là, avant de commencer, avant de me mettre en fréquence, j'ai mis une photo, j'ai balancé une photo là sur Facebook avec justement les conditions actuelles de trafic là côté extérieur avec l'aérien qui est perché à 6 mètres de haut. Ok, d'accord, ouais, bah, c'est ce que m'a dit Yannick, là, qui est du côté de Bordeaux. Bon, ça, je suis content, parce que là, j'ai branché, là, comme tu as pu le voir, là, sur Facebook, là, un micro préampli. Ah, bah non, j'ai pas mis la photo du micro. Je l'ai cité, c'est le Orocibi, j'ai zappé les caractéristiques. Et donc là, voilà, je l'ai branché, vu que j'ai plusieurs micros et tout, que je fais des tests et tout ce qui s'ensuit, plutôt que de brocher les micros un par un en 6 broches dessus, je préfère carrément me faire un petit adaptateur, comme ça, d'un côté 6 broches, et l'autre côté 4 broches, ce qui fait comme ça, je peux passer facilement les micros, ainsi de suite, puisque la plupart de mes micros sont justement en 4 broches. Daniel, il y en a plusieurs, Daniel. Ouais, non, ça doit être certainement Daniel. Ah oui, ça y est. Ok, Daniel sur le 47. Ça y est, ça me revient. Ah, je l'avais complètement. Désolé pour lui, mais c'est vrai que j'avais zappé là pour le coup. D'accord, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. À moins que, normalement, tous les ans, il vient en vacances là de mon côté. Ah, mais ça me revient. Si, je l'ai entendu assez brièvement là, durant le mois d'août. Ouais, effectivement, c'est vrai. D'accord, ok, Daniel, 14 km, 33,06 de mémoire. Oui, ça doit être ça. Ah bah Daniel, là c'est une grande histoire d'amour, on va dire. Daniel, je le connais depuis 1988. Et en plus de ça, on fait le même pro et dans la même boîte. Ah ben comme quoi, oui, il a dû être heureux parce que effectivement, dans le secteur où il est, c'est-à-dire Martignas-sur-Jal, Saint-Médard-en-Jal, de ce côté-là, il y a énormément de bois, de pins, de tout ça, et ce qui fait que de son côté, c'est toujours très compliqué à faire des QSO. Même les QSO locaux, pour lui, c'est compliqué, alors que moi, de mon côté, ça va très bien. Ok, merci pour le retour. Bon, je vais devoir passer QRT. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, deux secondes. Je vais devoir passer QRT. Je vais t'envoyer les bandes 73-51. Et à la prochaine sur les ondes. Merci beaucoup.
Ok, merci beaucoup. Ouais, je vais m'éclipser un petit peu le QTH. Parce que bon, là, j'ai vu que. Bon, j'ai du monde là qui est. Là, je suis entouré de vignes là où je suis. Bon, ça attire un petit peu l'œil. Bon, je suis pas chez moi là, sur le terrain là où je suis, à Chy. Alors, on va, avant qu'on vienne me faire les gros yeux. Bon, là, je me suis bien amusé. J'ai bien fait. Mes tests sont super bons, super concluants. Je me suis bien éclaté. J'ai pu t'avoir à nouveau en fréquence, car c'est vrai que ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas attrapé. Et oui, comme tu dis, via le web SDR, effectivement, je me souviens bien. Alors, les bottes sont 1351 et merci beaucoup. Bye, à la prochaine. Ah, je vais faire mieux que ça, je vais laisser l'antenne accrochée à 6 mètres de haut derrière le push avec le câble qui traîne dehors. Hachi trois coups. Merci beaucoup, bye bye, à la prochaine. Bon ben voilà qui est super concluant, ça marche du tonnerre. Alors pour conclure un petit peu, bon j'ai pas regardé là toutes les fonctions hein, pour ça là il faut vraiment attraper le bouquin là qui est avec hein, et puis y aller en avant, faut le potasser, hein, y a pas 50 solutions. Alors, pour faire un petit peu le point sur ce poste par rapport au précédent que j'avais, autrement dit, comparer le CRT 7009 avec le Lincoln 2+, eh bien, je dirais que dans un cas comme dans l'autre, je vois pas de différence. Non, je vois aucune différence. Ils sont aussi bons. Ils ont la même qualité aussi bien d'un côté comme de l'autre. Les reports sont les mêmes. L'écoute de mon côté est la même. Après, bon, c'est certainement au niveau solidité dans le temps que la différence se fera. Voilà ce que je peux dire de plus. Oui, c'est. Je vois pas quoi rajouter de plus puisque ils sont aussi bons l'un comme l'autre. C'est pour moi, je les place à égalité. Alors sur le visuel de la fenêtre, celui-ci est un petit peu plus chiant car l'affichage de la fréquence est plus petit. Une dimension au-dessus aurait été bien. Donc un poste un peu plus épais, qui aurait permis une fenêtre un peu plus grande. Et là, oui, ça aurait été nickel. Autrement dit, ils auraient gardé le même format que le Lincoln 1, avec cette nouvelle façade parfaitement lisse. Ça aurait été mieux. Mais bon, on va pas se plaindre. Je suis content là du résultat. Que ce soit aussi bien pour la mise en place de l'antenne. Tiens, on va y retourner. Voilà. Eh bien, la Scandinavie qui passe maintenant. Alors que du côté de Bordeaux, vous avez entendu, il n'y a rien. Alors ça c'est pas mal ça. Comme quoi, tout le monde n'est pas égal à ce niveau-là. Alors, les antennes.
la Wilson 5000 en perçage. Là, une petite, là, derrière, là, pour écouter sur 446 mégas. Et là, la président Himalaya, qui doit être à, j'ai pas mesuré, là, cette nouvelle hauteur, mais bon, allez, on va dire 6 mètres, là, pour faire simple. Ah donc là sur le final je montre comment est installée l'antenne. Donc une plaque en inox, donc deux boulons que j'ai pliés à la forme du tube là qui est là, de l'articulation là pour le porte-vélo là. L'autre plus bas, pareil, deux boulons pliés de la même façon et même largeur là, pour pas que ça se balade. Autrement dit, je peux secouer d'un sens ou dans l'autre. C'est juste le porte de vélo qui bouge. Et lui, voilà, il tient bloqué sur la boule. Bon ben là comme ça je vais pouvoir m'installer rapidement comme ça n'importe où. Et ben, c'est super tout ça. Les modes 73 à tous et merci.